quoi, Alex? Ils ont tous fini par prêter serment. Certains l'ont fait en parlant de la bébite. C'est le Renaud. C'est le fils de Fèvre qui avait fait ça lorsqu'il avait été augmenté du petit parti. Des fois, il y en a d'autres qui chuchotent. Mais c'est quoi l'enjeu si tu le fais pas? T'es pas censé le protéger, c'est bon. Salut tout le monde, comment ça va? Salut Dean, comment ça va? Salut Dean, comment ça va? Salut Tiffany, salut François Tremblay, comment ça va tout le monde? Hey, bienvenue sur mon live, merci d'être là. Alors, gênez-vous pas pour commenter, tapoter, partager. Hey! Excrément, comment ça va? Flatulence de son petit nom. Hey, c'est rare, Flatulence. Qu'on se voit à cette heure-là. Salut Trash, comment ça va? Hey, merci pour les gens qui t'apportent. Salut, salut. Excrément. Tu te prépares à aller travailler, là? Hey, merci pour les j'aime ou dis. Ben oui, quand même, d'habitude, c'est à la noirceur. Puis oui, puis gars, hier soir, là, c'est aux heures d'habitude que tu viens sur mes lives. Mais là, tu viens moins parce que je sais que t'es un homme tellement occupé. Hier soir, t'aurais vu pratiquement une première dans ton cas. J'ai fait un live à la maison dans la soirée. C'est rare que je sois en live à la maison. Habituellement, j'ai fait pas mal tout en auto. Oui, tranquillement, pas vite, tu vas aller travailler. Gigi Ladouce, comment ça va, Gigi? Ben moi, ça fait pas longtemps que je suis debout. Ben oui, ça va bien. Mais ça, moi, ça fait pas longtemps que je suis debout, je m'en vais... tanker la voiture, je m'en vais au dépanneur, je m'en vais me chercher un petit café, puis après ça, je vais peut-être faire une coupe de livraison, puis après ça, je me reprendrai ce soir. Non, j'ai fait un live discussion, sauf que j'ai un montage à faire, j'ai fait une dinde au fumoir hier, une dinde au beurre. Les images vont venir bientôt, là, j'ai transféré les images sur WeTransfer, là, il reste à télécharger sur mon cellulaire, faire le montage, puis... Non, c'est assez rare que je fais des lives de bouffe. La raison en est que ça devient difficile à m'amener faire des tournages en cuisine ou à l'extérieur sur mes barbecues, prendre des images, prendre des photos, puis faire le live en même temps. Puis j'ai essayé déjà faire un montage de recettes à partir d'un live. Puis étant donné qu'il y a l'interaction avec vous autres puis tout ça, ça se fait beaucoup moins bien. Beaucoup, beaucoup moins bien. Puis aussi le live, ben, dans le but des lives bouffe, c'est que vous me voyez... Puis que vous voyez une vue d'ensemble de moi, de mon barbecue, de ce qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est difficile de faire ça avec une seule caméra. Tandis que quand je suis en tournage, soit que je vais filmer tout au long avec deux ou trois caméras, ou encore je vais prendre des prises de vue, je vais arrêter le tournage, je vais prendre d'autres prises de vue. Ouais, t'attends une invitation. Mais t'es assez loin pour que je t'invite pareil, Flatulence. Tu le fais, tu fais juste dire, ah, ça m'a pas fait plaisir. Mais en tout cas, là, ce qui est important, c'est qu'on parle des enjeux. Personne n'en parle. Ouais. Là, ça fait qu'on en parle. C'est pas toujours facile de produire en même temps qu'un live. C'est pour ça que je le fais pas. C'est pour ça que. Que les lives, je les préfère pour parler avec vous autres. Puis
D'ailleurs, si tu remarques dans mon TikTok, les vidéos, c'est uniquement les vidéos de cuisine. Puis dans la partie story, c'est là que je fais les folies, que je mets les extraits de live, mets des recettes aussi, là. Mais c'est des choses qui partent après 24 heures. C'est des fois, ça crée plus de visibilité que les vidéos elles-mêmes, mais c'est quand même pas ça le produit de la chaîne. Alors, ça passe, ça dure 24 heures, puis après ça, c'est fini. Hey, merci pour les j'aime qui viennent d'entrer. Hey, un cas de j'aime, tout le monde. Hey, ça a tapoté hier soir sur le live à la maison, excrément. En pas à peu près. Ils ont voulu atteindre les 10 000 cas de j'aime, parce que tu le sais qu'à 10 000 cas, ils nous mettent n'importe où, puis partout, puis que là, la visibilité vraiment, elle est là. Mais ils se sont arrêtés à 6,8. Oui, à Radio au dépanneur, moi j'arrête le live, je m'en vais tanker. Je m'en vais me chercher un café. Selon moi, le Tim Hortons de là, il est fermé, je vais aller à un autre, puis après ça, ben c'est ça. Moi, je me branche en live, pas en live sur la livraison. Je vais en faire une ou deux après-midi. Puis sinon, moi, je vais remettre ça à ce soir. Puis demain, je recommence ma job en sécurité demain soir. Hey, ça va être à surveiller plus tard, excrément. J'ai eu un hater avant hier sur mon live. Je me suis payé sa tête. Puis je vais mettre ça dans les stories. Il pensait m'intimider, ça n'a pas marché. Hier, je suis retourné en live. Il est revenu, mais cette fois-ci, il était gentil. Je pense qu'il avait compris que, gars, ça ne marchait pas avec moi. Puis, des fois, je vois sur d'autres lives, il y en a un qui m'écœurait. Puis, j'avais mes réponses à moi. Qu'en bout de ligne, ben, gars, t'es pas capable de m'écœurer. Que là, hier soir, il est venu sur mon live. Puis, il m'a offert son aide pour produire mes vidéos. Il veut faire pour moi des montages tout à fait gratuitement. La preuve que, gars, des fois, quand on s'occupe pas des hitters, ben, eux autres deviennent de plus en plus méchants. Puis des fois, jouer dans leur jeu, ben, ça les fait se tranquilliser. Puis là, ils viennent de ton bord. Mais moi, je suis quand même chanceux parce que j'ai pas beaucoup de hitters qui viennent sur mes lives. J'en connais eux autres. C'est rien de ça qu'ils ont. Ça doit être tenant. Bon, regarde, ça sera jamais un chum, là. Il est rendu correct. Il n'y a pas beaucoup de monde sur TikTok avec qui je suis chum. Il y en a quelques-uns. Mais lui, il parle correct. Mais parce que moi, j'ai clairement démontré que derrière son écran, il était fort. Il était capable de dire n'importe quoi. Mais que moi, en me voyant, ben, j'étais capable d'y répondre. Mais que s'il était en personne avec moi, que là, il serait gentil. Parce que j'ai jamais tombé sur... Ça m'arrive des fois... Ah, c'est le monsieur de TikTok, puis ça, je me fais dire ça des fois en ville, puis ça. Mais jamais que ça arrivait que c'est des personnes méchantes qui me disent ça. Puis si c'est des personnes méchantes, ben moi, cette personne-là, je la connais pas. Je sais pas c'est qui. Ça a peut-être été une personne méchante... Sur le live, mais devant moi, elle sera pas méchante. Hey, alors,
Fait que tu lances, je te laisse cette fille, moi je suis rendu au dépanneur. On se reprend peut-être ce soir ou une autre fois. Merci d'avoir été là. Salut. Pense pas non plus. Et consommez-moi.